اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام. ميني مسلمة. La nouvelle lune du mois de Ramadan, le monde musulman l'accueille en priant. Les vieux et les jeunes font très attention dans le mois du jeûne et des bonnes actions. Et tous les croyants dans ce mois béni offrent de l'argent aux plus démunis. Mes chers enfants, c'est bientôt le début du Ramadan, le meilleur mois avec les plus beaux jours. Ramadan! Quand commencera-t-il? Comment saurons-nous que cela a commencé? Je vais vous dire, mais d'abord, venez avec moi dehors. Regardons le ciel, le Ramadan est l'un des mois lunaires du calendrier égyrien, le calendrier musulman. On peut connaître le début du mois à partir de la forme de la lune. Incroyable! Comment savons-nous le début du mois à partir de la forme de la lune? Notre maître Mohammed, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision ». Il parle ici de la vision de la lune. Nous saurons que le Ramadan a débuté la première nuit où nous verrons le croissant de lune. Le croissant est très petit. On sait alors que le mois du Ramadan a commencé et il continue de croître jour après jour jusqu'à ce qu'il devienne une pleine lune au milieu du mois. Puis, il recommence à diminuer jusqu'à ce qu'il disparaisse à la fin du mois. Et ça s'appelle Mohaq. Et quand le petit croissant réapparaît, on sait alors que le mois suivant, le mois du Shawwal, a commencé. Et ainsi de suite, chacun des mois arabes commence par le petit croissant. Allons-y, mes petits, explorons le nouveau croissant. Lequel d'entre vous le verra en premier? Je ne vois encore rien. Faites attention, mes enfants, le nouveau croissant est très petit et difficile à voir avec précision. Nous pouvons utiliser certains outils. Observez avec moi, je pense que nous le verrons bientôt, si Dieu le veut. Je pense voir quelque chose là-bas dans le ciel. C'est le croissant du Ramadan. Maintenant, le Ramadan a commencé. Enfin, le Ramadan. Il y a quelque chose pendant le Ramadan qui me rend heureuse. Le Ramadan, mes enfants, est le plus beau mois de l'année et nous pouvons gagner beaucoup de bonnes actions. Comment? Avec les bonnes œuvres. Le Ramadan est le mois du jeûne et de la prière nocturne, qui est At-Tarawih. Le Ramadan est le mois de la lecture du Coran, le mois de la générosité et du partage de la nourriture, le mois du pardon, de la réconciliation et de la compassion, mois de la miséricorde et de la charité. Nous avons tellement hâte! Quand le jeûne commencera-t-il? Le jeûne commencera à l'aube, avec la prière d'Al-Fajr. Mais avant de jeûner, il faut prendre le suhoor, le repas d'avant l'aube. Le suhoor est un repas avant la prière de l'aube. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le repas du suhoor car il est béni ». Béni signifie que le repas avant l'aube est une récompense et une bénédiction pour nous. Et aussi, un bien et un bénéfice pour notre corps. Allons les enfants, préparons ensemble le repas du suhoor. Que devons-nous manger? Nous allons préparer un suhoor sain et bon pour la santé. Bien sûr, il est préférable d'éviter les aliments qui nous donnent faim et soif. Et aussi, éviter ce qui est mauvais pour la santé. Que pensez-vous du yaourt? Des fruits, du lait, des dattes, de la salade
et de certains types de protéines comme les œufs par exemple. Et bien sûr, n'oubliez pas l'eau. Et avant de manger, nous devons dire « Bismillah ». Et nous n'oublions pas de remercier Dieu qui a créé toutes sortes de nourritures que nous aimons. Alhamdulillah. Hayya ala salat. Maintenant, le jeûne a commencé. Hayya ala salat. Salat wal qiyam wa qira'ati al-Qur'an.